Bonjour, bienvenue sous Parmi ça ma pou, je dis à nous avec une balave. Nous t'es là, je crois, mardi, jeudi à mercredi. Qu'on est n'a sauté jour, nous fait pareil. Donc, pas attendre que nous venions chaque jour. Et ça sorti là. Alors, les États-Unis franchis, on dit, on l'autre milestone, n'a causé liberté, liberté et que y'a bail monde, droit pour monde, décider ça ouvrir avec quoi. En fait, nous tous connaissons, dans le moment où on parle avec nous là, que par exemple, l'homosexuel, s'il si a un ménage li, à Haïti, il a fait visa fiancé pour lui. Ou bien s'il si a le mari avec elle, il a fait application. Ok, nous connaissons avec nous ça qui passe là. Eh bien, c'est que les États-Unis, pour la première fois, émettent passeport avec X-gender designation. Ça veut dire, eh bien, premier passeport au bail là, côté que l'homme des mounes, est-ce qu'il c'est mâle ou bien est-ce qu'il est femelle, eh bien, il doit choisir pour dire que Libani fit un garçon. Ça veut dire. Ça veut dire que il reconnaît droit un groupe de monde, un groupe de monde qui vivent dans le pays qui pas qu'à l'homme des s'il est mâle ou bien femelle, dans tête pa yo, yo pa wè yo même qui vous dit aussi un garçon. Comme ça, dans tête pa yo, yo pa wè yo même qui vous dit que vous êtes femme. Ok? So, donc, moun sa yo, c'est ça nous relè, gender X. Donc, les États-Unis, fait sorti la premier passeport qui gagne X, ça nous relè, X gender là. La donne en dit c'est un milestone reconnaissance droit pour moun pa ident droit pour moun droit au moun gagné pour pas identifier tête li soit garçon ou fille et yo pour bal l'autre option justement et maintenant bien yo bay X ça veut dire l'autre année k ap vin la yo pral bay d'autres options et ça département d'État dit oui ça veut dire À part X là, bon, fait hypothèse très certainement que il y a bail option les mon voulait dit que lycée un transsexuel qu'on bail ça parler, il y a plusieurs catégories. Donc pour le moment, et département d'État dit yo bail option X là. Et en fait, département d'État pas voulait identifier cité dans monde ça, récipient premier monde ça. Qui gagne passeport avec désignation X. Mais maintenant, vous avez connu que gagne Santarelli, un intersex activiste et Fort Collins dans Colorado, lui dit à Société Presse dans téléphone interview qu'elle recevra que c'est lui-même depuis 2015, justement, l'été préféré Santarelli, gender neutral. Il dit neutre, Léo dit non. Et il dit qu'il était en bataille légale avec le département d'État pour joindre un passeport qui, justement, pas dit qu'il est garçon ou femme. Donc, c'est comme ça qu'on y a. Et en fait, mon yo bay passeport, ça, c'est un monde qui a 63 ans. 63 ans. Et il dit j'en ai excité que finalement, le grand passeport, parce que l'objectif, c'est aider Next Generation. Intersex people, parce que comme ça, il dit, moun sa ou li intersex, de se li moun ki pa ni fi, ni garçon, pour yo reconnaître yo, et ba yo full citizenship avec droit. Ok? Et ki yo gagne pour yo di, sexe est neutre. Et li dit, moi-même, moi pas un problème, moi c'est yon être humain, et ça le dit moun. Et par exemple, monsieur gagne un tatou, ki ri, ki souli, ki dit, never give up. Qui c'est un rappel de l'objectif que le gain pour l'accomplir dans la ville. Et vous comprendre, monsieur était fait avec des séries de caractéristiques sexuelles, physiques, qui étaient un petit genre ambigu. Il était élevé dans mi-temps garçon. Il fait plusieurs opérations qui pas arrivé réussi. Et autres, il était servi en fait, dans Navy. Comme garçon, et après il est venu identifier comme un intersexe, il a travaillé, étudié dans Colorado University. Département d'État, justement, pas de bleu, le passeport
pour aller dans un d'aller et organisation intersexe internationale réunion. Et donc finalement li arrivé joine ni li arrivé joine passeport ça qui dit que c'est que le gongon sexe qui net. OK, donc il y a un pile LGBT en fait qui dit que décision ça est fait gouvernement en ligne avec réalité de la vie, puisque on dit qu'on ban moun qui sexe yo pas défini comme fille ou garçon. En tout cas, ça vous connaît et yo émettre la premier passeport du genre neutre, du genre X, et que et on dit l'autre année, on va avoir plus d'options. Et pendant nous causer ça et à nous porter quelques précisions pour vous sur causer et passeport, d'abord faut nous que ou capable l'on aller sur travelstate.gov. bon, moi montrer nous guys, ça c'est pour moun ki voulait faire application pour passeport, n'a porté quelques updates pour vous. Donc so formulaire était screen là, ça retourne moi oh donc là ici jamais été ok, on met des salles de référence. Ok, pardon guys, ok guys, mais ça me devrait montrer là, c'est que ok, c'est que là nous non souci de pas travelstate.gov là gen kote ou capable venir là yo le form filler et ça c'est pour moun k'ap faire application te DS11 pour la première fois bien entendu et là c'est si ou après nous vle yo le DS82 ba konnen bon faire le plus gros pour nous pour moun capable ouais. OK, so basically voilà, ba continuer bien on fait regarder voilà DS11 c'est pour moun k'ap faire application pour première fois et donc yo gen form filler là qui ça lié, c'est que ou gen doit au submit et qui assez intéressant côté que ou basically pardon la moi la prend petit temps et c'est que yo pose aux questions et pour répondre toutes questions et puis form là et ou on y remplit form là. Donc là on dit si map submit me fait li, donc et dit gen moi fill out imprint. OK, ça dit si map dit fill out imprint, voilà mais côté vous mettez toute information honnête et vous dit next, ça dit ça me t'a essayé montrer nous là, c'est que sous website là et yo bon moyen côté que ou gen doit rempli ça c'est pour monde qui a fait passeport pour la première fois. OK, et yo by toute information qui gagnent à revoir combien cob que on a besoin, il doit tout dire là pour nous. On a dit on monde qui fait passeport pour première fois ou besoin passeport simplement c'est $110 et puis plus $35 pour exécuter. Donc en tout il faut séparer bien entendu. On $110, on $35 pour exécuter. Donc en tout, livre nous 145, mais pas fait mon order 145, non. Yon mon order $110, yon mon order $35. Ok, ça yon moun kap fait passeport. Et ça ou le passeport card. Mais généralement, c'est le livre là de gen. Ouais, gon, et dit, gon passeport kon fait un petit 4, oui. Li même li pi bon marché. Li même sou ap fait li, c'est $30. Et puis $35 pour exécuter. Ça y a leur besoin fait. Passeport pour 4 là simplement. OK? Donc ça y est mon cap maintenant swap renouveler li pa vinn tout comme ça et renouveler disons ou a toujours payer $110 mon pa payer $35. C'est presque différence ça qui gagne. OK? Donc différence ça n'a prendre pour l'or a renouveler ou pa payer ça n'a exécution fia ou pa payer $35. Mais si c'est passeport a payer toujours $110.
Bien que yo bay d'autres possibilités toujours, si par exemple sous table ça arrive qu'on ou besoin pour bay fait rapide pour expédier les ça ou gagne $60 qu'on bay. Vous comprenez? Et sous table pour faire de manière expéditive ou pas qu'attendre ou bay en $60 en plus. Consato ou kabayon $17 pour ça ou les tout de delivery. Ça veut dire cool fin fait bien rapide pour getan voye le bout. Ok? Donc voilà on ensemble l'option possible qui gagne non cause. Parce que j'ai un dollar de boile sur website là. Le bon tout détail. Ou pas nécessairement bon, ou kal nan code house, mais le plus souvent gagne gen ensemble de post office ou ka checker qui bail service ça. Vous comprenez? Ça j'ai post office qui bail service et on vient avec tout document et puis on contrôle si tout papier OK and then on mail par l'intermédiaire de post office, OK? So voilà guys, justement nous t'ai tout partagé des informations qui gagnent rapport avec passeport. Pendant qu'il était dans cause là donc nouvelle là c'est que gagné qu'on est là et passeport et X et yo dit nous année cap vini et yo pral ba place pour l'autre mais m'pa konn si m'ta rele aux mesdames messieurs dames whatever nous connaissons démocratie on nous fait ça ouvrir. OK guys, bye bye tout le monde.